Allez, tu peux me le dire. Quoi ? Mon avenir. Ce que je dois faire. Le soir du festival, Steph a tout fait pour me convaincre de partir avec elle. Jouer sur les routes. Le frisson de l'inconnu. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. Allez, monsieur, je sais tout. Dis-moi. En fait, je sais ce que tu dois faire. Tu devrais rester à Haven. Oui, c'est vrai. T'as raison. Avant ça, j'ai jamais eu de maison. D'amis. Un boulot. Un endroit où vivre. Pourquoi est-ce que j'abandonnerais tout ça ? Ceci dit, partir serait peut-être mieux. Quoi ? Tu es jeune, tu te retrouves avec un peu d'argent, des amis. Tu crois pas qu'il est temps d'essayer la musique pour de bon ? Non, tu devrais partir. Oh, t'es sérieux ? Arrête, Gabe. J'ai pas besoin d'entendre tes mystérieuses conneries spirituelles, là. J'ai juste besoin... J'ai juste besoin de mon grand frère. Je suis désolé. Je sais. Mais tiens, prends ça. C'est ce qui arrive dans 3 heures. Un bus quitte l'arrêt. Tu n'es pas dedans. Et Steph non plus. La vie continue. Tu travailles au magasin de disques avec Steph. Toutes ces années de snobisme musical finissent enfin par payer. Et petit à petit, le temps fait son œuvre. L'appartement ressemble de moins en moins à un musée. C'est devenu ton chez-toi. Jed. Typhon. Même moi. On commence à passer en arrière-plan.
toi et ta nouvelle scène. Tu joues chaque semaine pour un groupe de fans qui t'adorent. Peut-être qu'en jouant, tu penses à ce que ta vie aurait pu être. T'aurais pu jouer devant un plus grand public, dans plus de villes, partager ta musique avec le monde entier. Mais peut-être que tu n'y penses presque jamais. Tu sais pas vraiment quand c'est arrivé. Mais un jour, tu regardes autour de toi et tu t'aperçois que t'as transformé cette ville tout autant qu'elle t'a transformé. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que c'est devenu naturel pour toi. Tu le remets pas en question. Tu ne doutes pas. Tu ne te demandes pas ce que ta vie aurait pu être. C'est ta vie. Celle pour laquelle tu t'es tellement battu. Et pour la première fois depuis très longtemps, tu vis tout simplement. Merci. Ah non, c'est rien. Tu crois vraiment que je vais transformer Haven ? Évidemment. T'as déjà commencé. Grâce à ton don, à ta musique, en étant toi. Mais Alex, ça veut pas dire que tu doives rester. T'as le potentiel pour faire ça n'importe où. Où je suis censée aller ? J'ai pas d'autre maison. Ça, c'est vrai. Mais t'avais pas de maison avant de venir ici non plus. Et regarde ce qui s'est passé. La vérité, c'est qu'il est impossible de savoir de quoi ton avenir sera fait. Tout ce qu'il te promet, c'est l'aventure. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Je sais ce que je veux.